Donc j'étais en train de parler de cette situation de crise vécue par les maîtres bilingues Shipibo Konibo, qui étaient sous la pression, qui étaient l'objet de pression des missionnaires linguistes de l'ILV, qui leur imposait une morale et, bien sûr, diabolisait les chamans, lesquels chamans, pendant ce premier terrain, avaient fui les villages parce qu'ils ne voulaient pas du tout être l'objet de critiques de ces missionnaires. Si bien que, durant ce premier terrain, j'ai eu beaucoup de mal à en rencontrer et j'avais presque l'impression que le chamanisme avait disparu, tellement parler du chamanisme était tabou, même par les gens du village. Bon, cette diabolisation des chamans n'était pas nouvelle dans la mesure où, en étudiant les archives, je me suis rendu compte que les franciscains, les jésuites avaient eu la même attitude, mais les chamans avaient résisté, avaient continué de vivre dans leur village ou dans les grandes familles étendues dans lesquelles ils vivaient. Mais c'est la même pratique de la diabolisation pour essayer de dévaloriser l'autre et son idéologie. À cette époque, j'ai vraiment constaté que les Shipibo étaient l'objet de ce qu'on appelle l'ethnocide. Il y avait une volonté de mettre à mort leur culture par tous les moyens. Sur le plan économique, j'avais vu dans les communautés où j'avais résidé qu'ils étaient sous la complète dépendance des patronnes, des métis, qui leur allouaient par exemple de faibles biens, maigres biens de consommation. C'était du sel, du savon, du tissu, des casseroles, des bassines plastiques, des machettes, enfin, pas grand-chose. Et en échange, ils donnaient des quantités de billes de bois qu'ils mettaient des mois et des mois à couper. Mais comme ils étaient analphabètes, ils ne pouvaient pas vérifier la valeur de ces biens échangés. Et les patronnes s'arrangeaient pour que la valeur des biens qu'ils leur donnaient soit beaucoup plus importante que le bois qu'ils prenaient. Donc ils étaient souvent l'objet d'une dette vis-à-vis de ces patronnes qui devenaient héréditaires, d'ailleurs, d'une génération à l'autre. Cela s'accompagnait bien sûr d'une invasion constante de leur territoire et de leur lieu de pêche par des métis qui arrivaient, eux, de la côte ou des Andes et qui voulaient s'installer sur l'Ucayali. Ils profitaient du fait que les Shipibo Konibo n'avaient pas de reconnaissance juridique de leur terre, donc ils s'installaient et les autres ne pouvaient pas dire grand-chose. Et c'est en 76, quand j'ai commencé à étudier la mobilisation et les revendications ethniques des Shipibo Konibo, que j'ai compris toutes ces choses et appris aussi comment ils pouvaient s'en défendre. Donc, munie de toutes ces données, la première année, je suis donc fin 66, je suis revenue en France. Et je dois dire que le retour en France a été peut-être aussi difficile que mon implantation sur le Ucayali. Parce que j'arrivais dans une communauté anthropologique qui n'était pas du tout sur le même diapason.
Ils étudiaient des mythes et des systèmes de parenté et se moquaient complètement de l'état de ces sociétés, de l'état économique et sociologique dans lequel ces gens se trouvaient. Et surtout qu'au fur et à mesure, ces Shipibo Konibo développaient des cultures de refoulement, des identités négatives. Donc tout cela, les anthropologues que je retrouvais en France vivaient dans un présent ethnographique et sans du tout se préoccuper de ce qui se passait sur le terrain avec la société globale. Donc la domination coloniale dont faisaient l'objet tous ces groupes, les Shipibo Konibo, ne sont pas les seuls. La plupart ont connu la même chose. L'ethnocide, tout cela, ça allait à contre-courant d'une approche théorique dominante qui était l'approche structuraliste. Heureusement, ma formation en sociologie m'avait appris à concevoir les choses de façon globale, de façon holiste, et donc je m'accrochais à cette vision des choses qui s'opposait un peu à la formation philosophique de ces anthropologues structuralistes, si vous voulez. Et ce qui m'a un peu confortée, c'est qu'à la même époque, à Stuttgart, avait lieu le 38e congrès international des américanistes. Et là, il y avait des ethnologues qui revenaient du terrain et qui avaient assisté aux mêmes choses que ce que j'avais vu, même de façon plus grave au Brésil, puisqu'on tuait carrément des Indiens. Ils avaient assisté à des invasions de terres, ils avaient donc assisté aux violations des droits de tous ces Indiens. Et lors de ce congrès, une motion a été votée pour dénoncer le génocide et l'ethnocide dont étaient l'objet les Indiens des sociétés des Amériques. Et les Scandinaves, qui avaient joué un très grand rôle là-dedans, demandèrent que un centre de une organisation se crée pour diffuser les informations sur ces Indiens ou sur tout ce qui pouvait arriver sur ces sociétés dans le monde et se coordonne aussi pour les défendre. Et c'est ainsi que naquit IFGIA, International War Group for Indigenous Affairs, en 1968. Ce sont des Scandinaves qui, en revenant de ce colloque, se sont réunis et ont décidé de fonder cette organisation. Très vite, j'ai ouï dire de cette organisation et j'en suis devenue membre jusqu'à aujourd'hui. Survival International s'est créé en 69 à Londres sur le même registre et j'ai également adhéré à Survival qui ensuite que j'ai critiqué ensuite parce qu'elle s'occupait surtout de l'information mais IFGIA s'en différenciait parce qu'elle a beaucoup aidé à l'organisation politique de ces groupes, notamment en Russie, en Afrique. Elle a beaucoup œuvré pour aider ces groupes à s'organiser. Alors, en France, il y avait quand même un anthropologue qui se démarquait des autres, qui était Robert Jolin, qui avait travaillé chez les Bari en Colombie et qui avait bien sûr vécu un peu ce que j'avais vécu. Qui avait été à Stuttgart et à la suite de Stuttgart avait voulu faire quelque chose en France
à ce propos. Et il a organisé un symposium sur l'ethnocide dans les deux Amériques. Et donc, à ce symposium, j'ai participé en présentant la situation des Shipibo-Conibo. Qui a été, ce symposium a été publié dans un livre en 72, donc quelques années après, qui s'appelle « De l'ethnocide ». Mais dans l'ensemble, si vous voulez, les anthropologues français ne se sentent pas concernés par le sort de ces sociétés où ils travaillent. Ce sont un peu des... Ils extraient des données et ne se soucient pas beaucoup de ce qui se passe ensuite dans ces communautés. Et pour vous donner un exemple de cette tendance, c'est lorsque j'ai passé mon HDR, donc beaucoup d'années après, en 2000, j'ai passé mon HDR, donc c'est habilitation à diriger des recherches, qui remplaçait un peu les thèses d'État. J'avais convaincu Marc Auger d'être mon directeur, celui qui acceptait de me coordonner. Et ça s'est passé à l'EHESS. Et j'avais dans mon jury un certain Jean-Loup Hamsel, qui est quand même assez connu, qui a publié de nombreux livres, africanisme, et qui maintenant s'intéresse à l'Amérique latine. Eh bien, lorsque j'ai dans l'introduction que j'ai faite de mes travaux, où j'ai parlé, bien sûr, des recherches que je faisais sur les mouvements politiques de ces sociétés amérindiennes en Amérique latine et de l'étude de l'autochtonie que je faisais à Genève dans le cadre onusien, il m'a traité d'activiste. Et non pas de scientifique, enfin d'activiste, parce que je prenais comme objet de recherche les organisations politiques de ces sociétés et organisations politiques qui allaient jusqu'à l'interpellation des autorités onusiennes. Donc, pour moi, ça devenait un objet scientifique. Et quand j'ai commencé à fréquenter l'ONU, cet objet s'est imposé à moi comme objet scientifique. Mais c'est pour vous dire que en France, l'engagement de l'anthropologue qui fait partie, pour moi, de ce que c'est que l'anthropologie et de la façon dont on doit être un ou une anthropologue est très mal perçu en France. Donc, un mot de 68, parce que ça s'est passé donc, pendant cette période. Lorsque je suis revenue des terrains, j'ai mal vécu mon retour parce que je revenais dans une société d'hyperconsommation, puisque 68, c'était les 30 glorieuses, et il y avait beaucoup moins de chômage qu'avant, les gens consommaient beaucoup, et cette hyperconsommation me choquait par rapport à l'état des sociétés latino-américaines et des sociétés... a fortiori des sociétés amérindiennes. Et si j'ai participé au mouvement, j'ai été une ou deux fois sur les barricades, peut-être en ethnographe ou en ethnologue, j'ai accompagné Bastide, qui voulait voir ce qui se passait à la Sorbonne, parce que la Sorbonne était occupée. Et donc, j'ai pris ma voiture, j'ai conduit Bastide à la Sorbonne, où on a été dans un amphi occupé, et il y avait à la tribune des étudiants, des vacataires même de recherche de son centre,
qui ont tenu un discours anti-autoritaire, anti-prof. Et ça l'a beaucoup choqué, parce que Bastide n'était pas du tout autoritaire. Traitait que ce soit des vacataires ou des étudiants en doctorat ou etc. d'une façon très 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 humaine, n'imposait pas son savoir, ses connaissances, et je dois dire que ça l'a un peu ébranlé. Il a pris beaucoup de notes, et lorsque il est mort et que j'ai eu accès à son bureau, parce que sa famille m'a donné la permission d'avoir accès à ses archives avant qu'elles aillent dans un centre de recherche, j'ai trouvé ces quelques pages sur mai 68, parce qu'il avait l'intention d'écrire un livre sur mai 68, qu'il n'a jamais fait d'ailleurs. Mais on sentait à travers ces quelques notes que... il se sentait un peu déphasé et incompris, quoi. Sinon, ce que j'ai aimé dans mai 68, c'est surtout ensuite une volonté d'égalité entre hommes-femmes, la libération d'un certain nombre de mœurs, le problème du divorce qui était mieux accepté, la libération sexuelle avec la pilule, la contraception. Tout ça, c'est dû à 68, c'est sûr. Mais le moment même, j'étais plus étudiante, si vous voulez. J'étais côté chercheur. Et l'anecdote amusante, c'est qu'avec Jolin, justement, que j'avais retrouvé, on a constitué une espèce d'université pirate. Il appelait ça université pirate. Ça avait lieu, je crois, à l'INALCO, parce que toutes les universités étaient bloquées, occupées, etc. Mais l'INALCO avait peut-être un endroit qui nous a permis de nous réunir avec d'autres anthropologues. Et là, on a un peu refait le monde. On a parlé de nos terrains, et c'est là qu'on a parlé d'ethnocide et qu'on a planifié ce symposium dont je parlais tout à l'heure. Mais en gros, ça ne m'a pas marqué profondément. Si une anecdote intéressante, c'est que dans la Sorbonne, occupée, il y avait différents stands. Il y en a un qui m'a attiré l'œil. C'était un stand occitan où il y avait des militants occitans qui avaient mis plein d'affiches, dont une qui était très belle sur le droit à la parole, Asdret à la parole. J'ai un accent pointu qui n'est pas du tout occitan, mais ça voulait dire on revendique le droit à la parole en occitan, bien sûr. Et je m'en suis souvenue ensuite, parce que quand j'ai fait une recherche sur l'identité occitane, dont je vous parlerai peut-être tout à l'heure, je me suis souvenue qu'en 68, il y avait déjà eu une volonté de s'affirmer des occitans. C'était effectivement le moment, le lieu où on pouvait dire beaucoup de choses, si vous voulez. Alors que jusqu'à présent, toutes ces identités régionales étaient inaudibles et absentes, si vous voulez. Donc en 68, il y a eu cet éclairage occitan qui m'avait beaucoup intéressée. Donc peut-être que je vais... avancer dans cette histoire de vie et parler des premières recherches que j'ai faites avec Bastide dans son centre. Donc j'étais revenue du terrain. À la fois, je travaillais sur mon matériel de recherche dans le cadre de mon doctorat. Donc j'avais deux bureaux, un pour mon matériel de recherche, les Shipibo Konibo, et puis au centre de recherche je travaillais sur ses propres recherches qui est donc une trilogie des minorités de couleur vivant dans une société blanche qui était la société française. Et il était parti des Africains vivant en France, des Haïtiens en passant par les Haïtiens et en terminant par les Antillais, en prenant comme hypothèse que les Africains étaient les plus éloignés de la société française,
les Haïtiens étant à un stade intermédiaire parce qu'ils avaient eu une colonisation plus approfondie de la France et de la langue française surtout, ils étaient plus marqués, si vous voulez, par l'héritage français. Et en terminant par les Antillais, qui étaient très, très, très marqués par la France, puisqu'ils étaient encore dans l'ensemble français, comme département français. Et donc, il m'a demandé de m'intéresser plus particulièrement aux Haïtiens. Bon, à cette époque-là, c'était la première fois en plus que je faisais de l'anthropologie urbaine. Je n'avais jamais été formée à cela. Donc, ça a été un peu du bricolage. Et on est arrivé à faire une étude des quelques centaines de Haïtiens vivant à la fois à Paris et à Strasbourg. Et ça a donné un livre qui s'appelle « Les Haïtiens en France ». Qui est plus ou moins satisfaisant parce que j'ai pas fait beaucoup de terrain, mais c'était à base de questionnaires, et donc une approche plus quantitative que qualitative, ce qui me plaisait pas vraiment. Mais en découvrant ce problème haïtien, j'ai eu très vite l'envie de m'intéresser à une autre composante de la diaspora haïtienne, qui est celle de New York. Et à Paris, j'avais rencontré Marianne Bieber, qui était une femme assez extraordinaire, qui était la représentante de la Fondation Ford, qui s'occupait des programmes européens. Et j'ai sympathisé avec elle et elle m'a dit « Mais pourquoi vous présentez pas à la Fondation Ford, dans le cadre de ce programme européen, une proposition de comparaison avec ce que vous avez fait en France ?» Donc j'ai fait ça, j'ai proposé à la Fondation Ford de comparer à New York cette approche de la diaspora haïtienne. Et en 73-74, j'ai eu cette bourse. Et je suis partie à New York, où existait une très importante communauté haïtienne, c'est ce que j'ai découvert sur place, beaucoup plus importante que celle de Paris, mais environ 200-250 000 personnes, dont 80% étaient clandestins. Donc ça compliquait un peu le terrain. Donc là-bas, j'ai été accueillie à l'Université de Columbia, où j'étais rattachée. On m'a donné le titre de Research Associate. C'était Lambros Comitas, qui était anthropologue spécialiste des Caraïbes, qui m'a accueillie à Columbia. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de chercheurs qui travaillaient sur les Caraïbes et cette diaspora. Il y avait un PhD en cours et deux autres, mais c'était tout, quoi. Donc je me suis bien sûr pressée de les lire, mais je me suis aperçue assez vite que l'approche qu'on avait eue en France en termes d'adaptation à la société française, d'acculturation, n'était pas du tout opératoire dans le contexte américain, new-yorkais. Je venais d'un pays, si vous voulez, où l'idéologie jacobine sacralisait l'unité, le centralisme, et ce qu'on offrait aux migrants, c'était de s'acculturer et de s'assimiler. Donc, on refusait les diversités ethniques à cette époque-là. Alors qu'aux États-Unis, c'était l'époque de l'ethnic revival. Donc, l'idéologie de l'assimilation à cette époque aux États-Unis disparaissait au profit de celle du pluralisme culturel.
Et le gouvernement fédéral apportait même sa caution pour mettre en valeur les héritages ethniques des différents groupes qui se trouvaient à New York. Donc je me rendais compte que pour étudier ces Haïtiens à New York, il fallait construire une autre problématique qui tienne compte de ces nouveaux paramètres. Et suite donc à ces chercheurs qui avaient commencé, à ces rencontres avec des chercheurs qui avaient commencé des recherches sur les diasporas caribéennes, et surtout aux nombreuses publications, à des séminaires, à des colloques où j'ai participé fin 63, fin 73, pardon, j'ai réalisé qu'il y avait une approche beaucoup plus intéressante qui était l'approche de l'ethnicité. Et donc j'ai dévoré toutes les livres sur les théories de l'ethnicité et j'ai participé à des débats très vifs entre primordialistes, instrumentalistes. Et j'ai très vite compris que l'approche de Frédéric Barthes sur l'ethnicité me paraissait la plus intéressante pour comprendre cette diaspora haïtienne et comment elle vivait à New York. Le problème, c'est que Barthes proposait un renversement de perspective, en ce sens qu'il définissait les groupes ethniques non plus comme des unités culturelles, mais comme des formes d'organisation culturelle résultant de l'interaction du groupe et de son environnement. Je me disais, je choisis l'approche barthienne, mais ça veut dire rompre avec Bastide.